la bonté, le bien, et pratiquer la justice. Donc il y a les trois axes. Trois axes, ça veut dire l'axe droit qui est celui de la bonté, l'axe gauche celui de la rigueur, et l'axe central de bien se conduire, de se conduire discrètement, l'idée de signaux d'ailleurs qui apparaît dans ce texte, avec l'Éternel ton Dieu. Voilà. Mais est venu le dernier prophète, enfin dans les 12 petits prophètes, après, il a dit non, je peux résumer toute la Torah sur un concept, un principe général. Kol mitzvotecha emuna. Nous disons dans les Tehillim, toutes tes mitzvot, kashrut, shabbat, fête, tefillin, prière, tout ça, c'est un concept, c'est celui de la emuna. Emuna, ça veut dire la foi en Dieu. D'accord? C'est-à-dire que finalement, toutes nos croyances, ça tourne autour de cela. Alors, qu'est-ce que la emuna? Voilà le sujet du cours. En quelques minutes, on va essayer d'aborder ce grand sujet. Alors, ça sera un premier volet. Il faudra évidemment faire un deuxième, voire un troisième volet, parce qu'on va essayer de développer tout cela. Voilà. Alors, on va commencer comme cela. Qu'est-ce que la emuna? En emuna rak regesh bilvad. Le Rav Isla ici, il nous enseigne que la emuna, ce n'est pas juste un ressenti. Ce n'est pas comme tous les ressentis, comme certains qui vont dire, je ressens que Dieu est là, ou je... Il y a cela aussi, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas fondamentalement cela. D'accord? Donc, c'est quelque chose quand même d'intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui ressent, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, il ressent qu'il y a un Dieu, il ressent que ce Dieu est présent. Mais il dit, c'est pas, ça n'est pas que cela. Deuxième point. C'est pas non plus que dans l'intellect. C'est pas juste quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire, je comprends maintenant que Dieu est présent au niveau intellectuel pour telle et telle raison, scientifique ou donnée. Haemuna, il lokemo kol haidiot. La emuna, c'est pas comme toutes les autres connaissances. De manière, alors ici, plein d'exemples, la physique, la sociologie, la zoologie, la technologie, etc. Et il dit, bien que le Rambam a construit les 13 principes de foi, parce que tout ça, ça apparaît auprès du Rambam, Maïmonide en français, lequel au 12e, 13e siècle a écrit les 13 principes de foi. Et eux, ils pensent, Sovrim Shesalad Da'at et Hashem Etor Ochachot. Ah oui, parce que eux ils pensent qu'il faut connaître Dieu à travers des preuves qui sont rationnelles. Rationaliyot, rationnelles, d'accord? Omnam sarila da'at ou la'amin ke ma'amar anavi. Mais il faut falloir comprendre, quand je dis anima amin be'emuna shelema, je crois avec une foi parfaite, she'avo ha'mashiach, que le Mashiach doit venir. 13e principe de foi évoqué par le Rambam Maïmonide, c'est-à-dire vraiment c'est quelque chose qui est ancré en moi. Donc la emuna, il dit, c'est pas juste, encore une fois, dans l'intellect, au niveau intellectuel, c'est pas juste un sentiment. Alors c'est quoi? Parce qu'il dit ça, c'est bien, mais ça reste encore à l'extérieur. Alors la emuna, premier principe, il va dire Shaemuna idvekut limsiut amitit. J'essaie de vous le traduire au plus proche du terme. La emuna, c'est un fait de se rattacher au plus proche d'une réalité réelle, quoi, littéralement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la réalité réelle qu'on comprend la emuna. Avoir foi que Dieu, c'est celui qui est confiant, qui est rattaché à quelque chose qui est en Sophie, c'est-à-dire qui est infini, que c'est de lui dont vient, c'est une prière d'ailleurs, Mekor Haim, la source de vie. C'est-à-dire que chacun, chaque être, qui soit dans le minéral, végétal, animal ou humain, bah, tout ça, ça provient de Dieu. C'est-à-dire les plantes, les herbes, les océans, les montagnes, tout ce que tu veux, les éclairs, les séismes, les planètes, l'univers, les étoiles, les astres, tout ce que tu veux, tout ça, ça provient uniquement d'Hachem. Comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, dans la Amida de Rosh Hashanah, Veyeda, kol parol ki ata, pe'alto. Et enfin, parce que Rosh Hashanah, c'est la déclaration que c'est le roi, Melech. On dit là-bas, à Melech Hakadosh, pas juste à El Hakadosh dans la Amida. Il y a des choses qu'on change dans la Amida entre Rosh Hashanah et Kippour. Et on dit pas juste c'est le Dieu qui est saint, c'est le roi qui est saint.
Donc c'est le dévoilement de l'unité, de la royauté divine. De l'unité divine, certainement, mais de la royauté divine. On est mamnir et akadash bokh, on fait régner Dieu. Ça, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Et donc, dans là-bas, on dit Veyedar. Et il faudra qu'on sache que tout être créé, agissant, ben sache que c'est toi qui le fais agir. Et qui va comprendre que tout être créé comprenne que c'est toi qui lui procure cette possibilité de pouvoir se mouvoir, en quelque sorte, dans les prières de Rosh Hashanah. Donc on comprend que la Emouna, finalement, c'est un travail, un passage du Zohar qui enseigne dans Chelek Aleph, page 59, « Tachazé, regarde Kol Barnash, tout individu, des Dachil, les Kadosh Baruch Hu, les Kutcha Baruch Hu, qui va craindre Dieu, eh bien, il va avoir la Emouna. » C'est-à-dire, selon le Zohar, un Kadosh, c'est la Emouna, c'est la Yir'a. S'il n'y a pas la Yir'a, on revient au cours de la semaine dernière, s'il n'y a pas la crainte, vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, entre Ahava et Yir'a, amour et crainte, on avait dit qu'un amour sans crainte, ce n'est pas un amour. Mais là, la Emouna sans crainte, ce n'est pas une Emouna. Ça veut dire que, alors, dans la crainte, faut-il encore le répéter, on l'avait déjà dit, je le répète au passage, c'est qu'il y a la crainte du péché, du châtiment, et la crainte révérentielle. Après, il y a encore d'autres niveaux. On appelle la Yir'a Tata'a et Yir'a Ila'a. Il y a une crainte d'en bas, une crainte d'en haut. Donc, selon le Zohar Kadosh, dans le premier tome, page 59, un individu qui ne ressent pas cette crainte vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est là, est présent, que je le ressens, Yirat Shamaïm, première halakha du Shulchan Aruch, d'ailleurs, dans le code de loi, c'est marqué, il cite la référence du roi David, qui dit que je fixe constamment l'éternel. Bonsoir. Bonsoir. Donc, s'il n'a pas la crainte, ça n'est pas une véritable Emouna. Bonsoir. Un Emouna, il y a Avoda, Avoda Tama, chez la Sechel, et un Lev Yardav. Alors, la Emouna, hein, un tout petit peu, voilà. Sinon. Non, mais regarde, juste là. Non, mets-toi ici, voilà, c'est bien ça. Voilà. La Emouna, parfaite, c'est un service. C'est une Avoda, un travail qui est entier entre l'intellect et le cœur. Alors là, ouais. C'est un travail qui concerne le peuple juif essentiellement, bon, les nations aussi certainement, mais dans la tradition du judaïsme, il y a cette indication selon laquelle on va allier la Emouna, donc la foi, avec l'histoire, avec ce qui se passe dans le monde. Donc, pour l'instant, on en est où? On est un petit peu perdu finalement. Alors je fais une petite synthèse. La Emouna, donc c'est pas juste un regesh, un sentiment, c'est pas juste le sechel, l'intellect. Emouna, c'est d'être attaché à la réalité réelle, comme on l'a dit, être attaché à Dieu. Dans la prière, on dit qu'on sait que tout ce qui existe en termes de minéral, végétal, animal ou humain, tout ça, ça vient de Dieu. Ça, c'est la Emouna. Donc, on vient de dire à l'instant que la Emouna, petite synthèse, c'est un travail d'association entre l'intellect et le cœur. Mais la Emouna, c'est plus que cela. La Emouna, c'est un espoir. Ça veut dire que finalement, un espoir que Dieu, même dans les situations les plus extrêmes, il peut toujours intervenir, il y a toujours la possibilité d'intervenir et d'être là et de changer le cours des choses. Voilà, dans l'histoire les plus sombres d'Israël, où aujourd'hui, on se dit, voilà, Mashiach va arriver. C'est quelque chose de fou, comment le Mashiach peut arriver dans telle circonstance. C'est ça la Emouna. Mais il va dire que, et j'arrive tout de suite à la conclusion de ce qu'il va dire, pour vous donner un petit peu le schéma en quelques minutes, pour que ce soit clair. La Emouna, c'est pas ça, donc c'est autre chose. Il va dire que le summum dans la Emouna, c'est la résurrection des morts. Voilà le chidouche qui va nous donner. C'est ça qu'il faut étudier. Il y a des gens qui disent, non, j'ai la Emouna, je crois. Bon, on ne juge pas Israël, il faut sauver Israël, protéger des erreurs. Mais on voit bien dans l'étude qu'il y a plusieurs niveaux. Le summum du niveau dans la Emouna, dit ici le Ramchal, avec cette explication du Rav Shriki, c'est que
c'est relié à la Triat HaMetim. La Triat HaMetim, c'est la résurrection des morts. Ça veut dire quelque chose de fou, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'à mort, on peut se relever de la tombe, quoi. Quelque chose d'incroyable. Et il dit, c'est pour ça que dans la prière, trois fois par jour, la première bénédiction, c'est Magen Avraham, c'est bouclier d'Avraham. Deuxième bénédiction, la vérité, et mettre la mytho, c'est qu'on se pose toujours la question. On se dit, mais pourquoi trois fois par jour, on a besoin de rappeler la résurrection des morts? Dans la deuxième bénédiction de la Hamida. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire, jamais personne m'avait venu me poser la question, mais on est en droit de se poser la question. Pourquoi y a-t-il Mechaye Hametim? Mechaye Hametim trois fois. À part les allusions à droite et à gauche, mais clairement, dans la Hamida, trois fois par jour. Donc la Emouna, c'est la Tikva. C'est un espoir. Que Dieu, comme un Pessah, il peut sauter. Il peut épargner, il peut sauter dans le temps. La traversée de la mer, lorsqu'on est sorti d'Égypte, lorsqu'il nous fait sortir d'Égypte. Aemuna y chokhma, chokhma ta'emet. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est le principe même de la sagesse qui est réel. Plus que cela, la Emouna, c'est amener une sainteté dans le monde. Bon, on voit bien qu'il y a une idée d'une association entre l'intellect et le cœur. Donc on pourrait dire entre la raison et les sentiments. On voit bien ici que la Emouna, c'est un espoir que Dieu peut tout changer, peut tout dévoiler. Puisqu'on a parlé du summum de la Emouna qui sera... celle de la résurrection des morts. La Emouna, c'est une sagesse, c'est une intelligence. Ça veut dire de comprendre que dans le temps, dans l'histoire, Dieu va se révéler et Dieu va se dévoiler dans l'histoire. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire du peuple juif. Au niveau individuel, on peut le voir, mais là, au niveau collectif, où Dieu va se révéler au fur et à mesure que l'histoire va passer. Parfois, Dieu va vivre plutôt à travers une expérience de Esther Panim, où Dieu se retire apparemment. Évidemment, il ne se retire jamais. Mais apparemment, il se voile dans l'histoire. L'histoire de Purim avec Esther, où Dieu n'apparaît pas clairement, mais il apparaît de manière dévoilée. De manière voilée, pardon. Alors, c'est là, on en vient à la deuxième page. Il y a un verset qui nous enseigne que Ata on eta la da'at, maintenant tu as pu comprendre que c'est l'éternel Hachem qui est ton Dieu. Enod milevado, c'est un verset dans Devarim, au chapitre 4, il n'y a rien d'autre à part lui. C'est une ségoula, comme on le dit souvent, de dire Enod milevado. Il n'y a rien d'autre à part lui. Un blocage, vous dites Enron Milvado. Mais je sais maintenant, tu peux savoir, que ce Dieu, le Dieu, mais en hébreu, ça veut dire autre chose, qui est Hachem, c'est-à-dire le Dieu transcendant, celui qui est au-delà de la nature, c'est le même Dieu, donc qui produit les miracles, etc. C'est le même Dieu qui est Elohim, qui est le Dieu créateur. Dans l'action, dans le monde, Bereshit bar Elohim, c'est-à-dire que ce Dieu-là qui est au-delà du temps, au-delà de l'histoire, qui peut intervenir, ben mettant Ata or Eta la Da'at, tu as une Yedia, c'est-à-dire une parfaite connaissance, tu as intégré parfaitement, tu as assimilé cette idée, que ce Dieu-là qui est au-delà, eh ben il est le même Dieu qui est dans la nature, dans les herbes, dans les plantes, etc. Chachamim, ils ont expliqué dans Sanhedrin, à la page 67, que même pour la magie et la sorcellerie. Ve'ainu, c'est-à-dire, qui inne kishanachon omrim shakadosh bochou echad, lorsque nous disons, nous formulons que Dieu est un, et nous daï, alors c'est là où ça joue maintenant, et nous daï shenavin shu echad bimsiuto, c'est pas suffisant de croire que nous comprenions qu'il est un de manière réelle dans la réalité. Tu vas dire, bon, Dieu est un. Voilà. C'est bien, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est-à-dire
C'est-à-dire que le premier existant, le Rambam, d'ailleurs, il commence comme ça, ce de la Torah. Bonsoir. Ah, il n'y a pas de problème. Le Rambam, il commence comme ça. Que la première existence qui permet l'existence, c'est Dieu. Veshen Boré Elahu, qu'il n'y a de créateur que lui. C'est pas suffisant, cela. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre d'autre? Si, là, Emouna, on l'aurait résumé comme ça. Si vous avez posé la question au début de cours, comment vous allez définir le concept de Emouna de foi? Ben, finalement, vous m'aurez dit, bon, la Emouna, c'est de croire qu'il y a un Dieu, que c'est bien, mais il dit, c'est pas suffisant. Alors, c'est quoi? Aval tsrichim manu leavin od, mais on doit encore comprendre. Shen shum shalit ou moshel et là-haut. Qu'il n'y a pas de maîtrise, si ce n'est lui. Celui qui est Shalit ou Moshel, ça veut dire celui qui maîtrise, celui qui dirige le patron, le boss, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de croire qu'il y a un Dieu, de croire qu'il y a un Dieu créateur, de croire que l'origine, ben de l'origine, c'est Dieu. Mais alors, avant Dieu, je sais pas. En tous les cas, l'origine, c'est Dieu. D'accord. Je te dis, c'est pas suffisant. Tu vas comprendre que celui qui est intégré et qui dirige tout, c'est Dieu. Mais alors lui, il va tuer l'autre. Mais alors, je vais vous choquer un petit peu. Reuven a tué Shimon. Alors, je vous renvoie à nos trois études pendant l'hiver sur le libre arbitre. C'est que Shimon devait mourir. Alors, Reuven, il a fait une mitzvah. Non, il a fait une avera, puisqu'il a tué Shimon. Mais alors, donc c'est bien ce qu'il a fait. Non, c'est pas bien ce qu'il a fait, parce qu'il a tué. Donc, ça peut pas être bien. Mais il sera puni parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a fait quelque chose qui le servait à lui. Une vengeance, une colère. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. C'est la lecture du Ramchal. Et grosso modo, de la Kabbalah. Je sais que dans le Pshat, on avait fait un cours sur le Libre Arbitre, où il y a d'autres lectures. Il y a des lectures qui sont très Pshat, du Ibn Ezra, du Rashbam, par exemple, pour une période à peu près du Moyen-Âge. Qui sont très très différentes, mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que l'homme peut changer le cours de l'histoire? C'est que dans certaines lectures, oui, certaines lectures de tel rave, tel grand rave, de telle génération, d'après le monde de la Kabbalah, on ne peut pas changer le cours de l'histoire. Vous savez, comme d'habitude, ça choque, ça embête un peu les gens, parce que les gens veulent avoir une conclusion claire. C'est très bien que dans la vie, il y a, comme il a dit l'autre, il a dit, on sait au moins une chose. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a rien qui est clair. Il y a au moins une chose claire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs subtilités, plusieurs lectures. Donc il y a des lectures de ceux, de grands rabbinim de cette époque-là, Moyen-Âge, voire Antiquité, qui considèrent que on peut changer le cours de l'histoire. D'après le Ramchal et autres, on ne peut pas changer. Ça doit passer par cela ou par cela. Maintenant, ton libre arbitre, c'est comment ça va se passer. Donc, il te laisse une marge de manœuvre. Mais celui qui décide de tout, c'est Dieu. Venmanig, leolamo, o leshumbria, beolamo, elahu. Il n'y a personne qui dirige son monde ou n'importe quelle créature dans son monde, si ce n'est lui. C'est un cours qui est capital sur l'Emouna. C'est un cours qui est fondamental. Sans ce cours-là, on peut être à côté, hein, y compris ceux qui étudient la Torah. On peut étudier énormément, avoir des connaissances, mais être un petit peu à côté, en marge, de ce qu'est l'Emouna. C'est-à-dire, c'est finalement, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau d'un Dieu créateur, encore une fois, d'un Dieu qui est seul, d'un Dieu qui est unique, d'un Dieu qui a créé, d'un Dieu qui a l'origine de l'origine de l'origine. Mais il y a plus que cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe si ce n'est la volonté de Dieu. Bon, je vous renvoie à la grande, grande discussion, on est au 12e, 13e siècle, entre le Rambam et le Ramban, qu'on a cité à maintes reprises, je vous la rappelle encore une fois. Maïmonide considère que c'est la gravité, la feuille qui tombe de l'arbre, alors c'est la loi de la gravité, ça a été installé au départ. Il y a des lois physiques, des lois voilà, qui sont installées dans l'ordre de la nature, et le monde agissant ainsi, selon ces lois qui ont été établies, donc il n'y a pas de sens. Et le Ramban, et c'est repris là, dans la grande école du 18e siècle du chassidisme par le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a un sens. S'il y a un ver de terre qui passe là, eh ben, c'est qu'il devait passer. Pareil fou. Donc finalement, tout ce qui se passe,
dans n'importe quelle créature, eh ben, c'est lui, c'est la volonté de Dieu. Mais alors quoi? Dieu, il est affairé par un cafard. Alors, il y a un maître, une fois, qui a dit, il y a pas de différence à ce niveau-là entre un malard et un cafard. Entre un ange et un cafard. Il n'y a pas de différence. C'est sur un point, hein, c'est sur un point un peu plus subtil, finalement. C'est-à-dire que finalement, on peut être un peu déçu de cette lecture aussi, en se disant, non, mais je pensais que Dieu, c'était spiritualité pure, c'était uniquement élévation, uniquement appréciation d'un Dieu transcendant, etc. Je te dis, non, ça veut dire que ça s'inscrit à un certain niveau. Mais en vérité, le niveau que toi, tu vas comprendre, c'est le niveau que tu vas établir. C'est-à-dire que, comme l'a dit le Rambam, c'est-à-dire que la Hashgacha, la providence, elle dépend de ta Emouna. Bon, c'est des cours à étudier, à intégrer, à approfondir un petit peu. C'est-à-dire que la Hashgacha, ce qui va se passer, ça dépend de ta croyance. Pourquoi un grand rave, il arrive à un miracle? Plein d'histoires du Rabbi Loubavitch, du Baba Salé, etc. Plein d'histoires comme ça. Et pourquoi ça m'arrive pas à moi? Je voudrais bien avoir un miracle. Quoi? Pourquoi? Parce que lui, il s'est mis à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a cru à fond. Donc, quelque part, en y croyant à fond, il s'est placé dans un système qui est au-delà de la nature. Donc, le miracle apparaît. Donc, on voit bien que finalement, la Hashgacha, la providence, ce qui va se passer va dépendre de ma vision personnelle, de mon degré de Emouna, de mon degré de lecture. Donc, si moi je crois qu'à la force d'un bœuf, je vais avoir que des bœufs devant moi. C'est ce qui se passe très souvent. On n'a que des ânes et des bœufs devant nous. Non, non, je parlais pas de vous. Non, ça veut dire dans la société. Non, Khadvechal, ben non, je ne serais pas permis quand même. Mais je plaisantais. Pour la réfoua chez les mains, je crois qu'il y a Sonia Gillet, et pour la réfoua chez les mains de Esther Bat Shoshana. C'est sa mère, non, Sonia? Ah, je crois. Bon, grande, grande réfoua chez les mains, si Dieu veut. J'espère que ça va aller, Esther Bat Shoshana. Donc, ça va dépendre, ça veut dire, du niveau de Emouna que je vais avoir. Ça veut dire que le miracle, il a lieu. Quand moi je me suis dépassé, quand moi je me suis élevé à un certain niveau. Donc ça veut dire que si tu restes dans un monde de raison, tu auras une réponse qui est reliée à la raison. Si tu es dans un monde qui est au-delà de la raison, Emouna parfaite, 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 là tu laisses l'ouverture à quelque chose d'autre. Donc c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle transcendant, qui dépasse finalement. D'accord? Donc, retenez cette discussion, parce qu'elle est fondamentale, finalement. Est-ce que la feuille qui tombe de l'arbre ou le ver de terre, est-ce qu'il a un sens ou pas, finalement? D'après cette lecture, oui. D'après cette lecture, moi, je sais bien qu'il y a d'autres lectures, mais on étudie cette lecture. Ben Manik, dans l'amour, il n'y a de conduite à son monde ou à une créature que lui. Ben Meakav Eliadou, il n'y a personne qui peut l'empêcher à Dieu. Donc, le cours de l'histoire, c'est lui. Personne qui peut l'empêcher de pratiquer sa volonté. On parle de Dieu. Encore une fois, on l'explique souvent dans nos cours, on ne peut pas parler de l'essence divine, c'est pas ce qu'est Dieu. On parle uniquement de la volonté divine révélée par la Torah, laquelle, la Torah, est l'expression de Dieu. Donc on parle de la volonté de Dieu inscrite à travers les mitzvot, Torah et mitzvot. C'est la volonté de Dieu, pas l'essence. Ça, c'est la shlitato yechidit ou gmura. Ça, c'est la shlita, c'est ça, le fait que Dieu gouverne de manière intrinsèque et de manière entière et parfaite. Et c'est ce qui est écrit dans Devarim, cinquième livre de la Torah, chapitre 32. Re'u'ata, Dieu dit aux enfants d'Israël, regardez maintenant, qui est Ani Hachem, c'est moi l'Éternel. Quoi, ils ne savaient pas? Non, ils avaient compris cette idée qu'on a développée à l'instant. C'est moi, dit Dieu, Ani Amit Vachaye, le verset dit dans Devarim, on traduit en français par cinquième livre de la Torah, d'accord? C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Venmi Adimatsil, personne à part moi. Et dans Job,
chapitre 23, c'est marqué Veo be'echad umi yishivenu. On lui dit, lorsqu'on perd quelqu'un dans la période de deuil, on dit aux endeuillés Veo be'echad umi yishivenu. Qui peut lui répondre à Dieu? Dans le verset là-bas, dans Iov, dans Job, Miyomar elav matarase. Quand il vient de perdre son père, sa mère, mais qui peut te dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu feras? Personne ne peut te dire à Dieu, parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Parce que tu rentres après dans le monde, bah après là c'est la mystique juive à fond, mais dans le monde de la réincarnation, dans le monde des âmes qui viennent, qui repartent pour différentes raisons qui nous échappent. Donc mi Yomar elav matarase, il vient de perdre son père, sa mère ou sa femme, et tu vas lui dire, mais de toute manière, tu peux rien dire à Dieu. Est-ce que toi, tu veux te permettre de lui dire pourquoi tu as fait cela et pourquoi tu as pratiqué telle chose? Il dit ça, c'est le principe même de la Emouna qui est certaine. Il y a un passage dans Tara Tevunot. Hein. Tara Tevunot, c'est un des écrits du Rav Chaim. Rav Moshe Chaim Lusato. Donc, on comprend bien que le Yichud Ha'Elyon, ce qu'il appelle le Yichud Ha'Elyon, c'est l'unité parfaite. Se compose en deux temps. Il y a Yichud Hametziut, c'est de comprendre l'unité divine dans la réalité, dans le monde, et Yichud Hashlita, dans la manière de gouverner. Je vais expliquer, je sais que ce n'est pas encore tout à fait clair, mais on va expliquer. Yichud Hametziut, c'est lorsque l'unité divine est dans la réalité. Aramchal Alar Beigvot Amore Nebuchim, le Ramchal a suivi. Le grand Ramchal, c'est le 18e siècle, n'est-ce pas? Il est mort en 1747 et le Rambam est mort en 1204. Donc il a suivi les positions du Maïmoni, du Rambam, ce grand maître, et les Rishonim, dans ce qui concerne la Metsiout, la réalité. C'est-à-dire, Shesh Matsui Echad Mouchach Hametsiout. Il y a un Matsui, il y a une existence, c'est Dieu qui permet à l'existence de pouvoir exister. Et nous, Talum Bezulato, ça ne dépend de personne d'autre. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Kadmon Mechol Kedumim, le Rambam l'avait évoqué, on l'a dit tout à l'heure rapidement, il est antérieur à toute forme, à tout existant. Donc l'antériorité, c'est Dieu. Aval Beichod Ashlita, mais dans le fait que Dieu règne sur son monde et qu'il dirige son monde, Adon Al-Kalama Asim, comme on dit dans la prière, c'est le maître de toutes les actions. À part le Ramchal, rares sont les personnes qui ont évoqué cette idée dont on va parler à l'instant. Donc, première idée, elle est évoquée par certains Rishonim, certains grands maîtres. Seconde idée, rares sont les grands maîtres qui ont évoqué cette idée. Alors, c'est-à-dire laquelle? Le Ramchal nous offre une nouvelle vision qui est la suivante. Qui est né que chez Anachon Brim Shakadosh Boko Echa, lorsque nous disons que Dieu est un, et nous disons chez Navit Shoecha Bim Siuto, c'est pas suffisant de dire qu'il est un dans la réalité, mais on doit amener cette idée que c'est lui qui dirige tout. Ça, dans le Da'at et vos notes au chapitre 36, là-bas, il est traduit en français, le Da'at et vos notes d'ailleurs. Sa'at et Charim, il est traduit aussi, je vous le conseille, c'est le livre du Ramchal. Sa'at et Charim, c'est le sentier de la rectitude. Arrêtez vos notes, j'arrive jamais à retenir la traduction française, mais c'est écrit là-bas. Mais ça, des charim, c'est la morale, plutôt la morale, la pensée juive, la voix du juste, bravo. Et d'arrêtez vos notes, c'est plutôt un sujet sur la justice et l'injustice de Dieu, le bien, le mal, etc. Voilà. Donc. Il va falloir comprendre tout cela, il va falloir intégrer toutes ces idées qu'on a évoquées ce soir, d'accord? Donc il y a deux degrés, il y a un degré dans la Emouna et un degré dans la Shlita. Donc ça veut dire que le monde, tu vas le voir avec ce qu'on vient de dire à l'instant. Deuxième synthèse qu'on vient d'évoquer, c'est finalement tu vas voir le monde autrement. Ça veut dire tu vas voir qu'il y a pas seulement un créateur, mais ça veut dire que d'un point de vue réel et concret, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu s'ingère, Dieu est dans la société. Il est là, il est présent, il n'est pas que là, mais il est aussi là, d'accord? Parce qu'il est bien au-delà de toute perception et de tout concept, vous voyez? Et là, tu rentres vraiment dans la Emouna. Il y a un grand verset qu'il va citer et qui revient à chaque fois,
Et on le dit dans la prière, une fois de plus, que c'est la prière aussi hein, qui permet d'intégrer tout cela. Quand on dit dans Alleluia les Chaber, Veyadata Ayom, tu sauras aujourd'hui, Vaashevota El Levavecha, tu vas ramener cela, cette idée, donc tu vas savoir, ça passe par la connaissance. Tu vas connaître aujourd'hui, et tu vas ramener cela à ton cœur, qui est Hachem ou Elohim, que c'est Dieu qui est le Dieu. Enron Milvado, à la fin de l'Alenu Shaber, c'est-à-dire dans la prière, il n'y a personne d'autre excepté lui. Donc ta vision sur le monde, sur la société, sur les gens, sur toi, elle va forcément changer. Et donc ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'Aemuna, il y a le Amen. Dans le Amen, il y a une idée d'avoir une foi. Cela, ça va être révélé finalement. Dans le Talmud, on voit beaucoup d'exemples de prophètes qui sont cités, chaque prophète a amené une révélation. On sait qu'il est écrit qu'à chaque génération, bien que Moïse ait tout reçu sur le mont Sinaï, à chaque génération, il va avoir une révélation supplémentaire. Non pas que le livre qui sort là, il n'a pas été révélé avant, mais il n'a pas été perçu comme cela avant. Ou vraiment, il correspond peut-être un peu moins à cette génération. Donc on va l'amener dans cette génération-là, parce que la génération a besoin de cela. Rabbi Nachman de Breslev, il est souvent cité, il enseignait, il disait que on sortira de la galoute grâce à la Emouna. C'est ça. Quand on disait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on disait pendant la veillée de Shavuot, lorsqu'on a évoqué l'idée que le Zohar, on va sortir de la galoute, de l'exil, grâce à la lecture du Zohar. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, puisqu'il a révélé le Zohar, il va révéler l'idée selon laquelle ça sera grâce à son mérite à lui qu'on sortira d'exil. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, au IIe siècle, c'est aussi l'âme de Moshe Rabbeinu. Que de la même manière que Moïse nous a fait sortir de Pessah, d'Égypte, dernière délivrance sera celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est lui qui va révéler tout cela. Donc il y a plusieurs niveaux, mais selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est essentiellement l'Emouna. Et si vous faites un petit peu de recul, si vous avez un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on vient de dire, tout ce qui se passe dans nos vies, c'est un problème de l'Emouna. Il se marie, il divorce, il a des enfants, il n'a pas d'enfants, il gagne de l'argent, il n'a plus d'argent, il perd son travail. Tout ça, c'est l'Emouna. Tout. Donc quand David Ameller, qu'il a résumé le principe en disant « Kol mitzvotech ha'emouna, mamash » c'est réalité. Toutes tes mitzvot sont emouna, ça veut dire c'est la foi. C'est vrai que tout est résumé sur ce principe de base. Hein, Jonathan, toujours avec nous ou pas? Toujours. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous dites, la foi et avoir confiance? La confiance, est-ce que c'est pareil? Alors, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas une différence? Parce qu'on peut avoir la foi, comme vous l'avez expliqué, tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, l'ashgacha, c'est-à-dire que ashgacha, j'ai crevé un pneu, mais j'ai évité un accident. Donc, je le vois de manière concrète. C'est-à-dire, je l'ai pensé. C'est pas lié à la foi, ça. C'est oui, mais c'est-à-dire que j'ai la confiance en Dieu. Il y a la providence qui est arrivée. Parce que. Mais ça va au-delà, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que concrètement, maintenant, une démonstration, je me dis, mais pourquoi j'ai crevé un pneu? Mais c'est terrible. Mais pour 2 heures, pour aller le changer. Hein. Oui, mais tu as évité un accident. Des fois, tu le sais, des fois, tu ne le sais pas. Mais lorsque tu le sais, tu dis, Ashgara. Ashgara incroyable. Et dans nos vies, si vous faites attention, on a beaucoup d'Ashgara, de rencontres entre les uns et les autres, entre les gens, entre les personnes. Même les doigts, c'est de la. Alors là vous nous amenez là. Aïe. Donc il y a Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. Même ça c'est pour le bien. Ouais. Alors là. Oui, mais c'est là vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau que tout est bien. Et vous avez un niveau que de Nahum Ish Gamzou, d'accord, le maître d'ailleurs de Rabbi Akiva, qui enseigne. Rabbi Akiva, il voit le temple, il voit un renard sortir du temple, donc il voit le temple détruit, et il rigole. Et ses élèves lui disent, mais
Les Olam, Matmiya, Motanou. Tu nous atteindras toujours. Rabbi Akiva, comment tu peux rigoler devant un Beth Amidash qui est détruit et un renard? Ça veut dire finalement, c'est un animal qui est impur et le Beth Amidash représente la pureté. Comment tu peux rigoler? Et il dit, ben non, c'est ça l'espoir. C'est que de la même manière que les prophètes, ils ont prophétisé la destruction, ben ça veut dire qu'on va aller maintenant vers la reconstruction. C'est-à-dire que le Beth Amidash, il vient d'être détruit, et lui, il est déjà, c'est la puissance de Rabbi Akiva, une perception que c'est bon, il va être reconstruit. C'est bon, on va y aller. Un an, deux ans, mille ans, c'est pas grave. Mais on va y aller. Puisque cette prophétie s'est réalisée, c'est-à-dire que l'autre prophétie, les autres prophéties se réaliseront aussi. Donc, Gamzou, les Thomas, ça veut dire que c'est très fort. Ça veut dire que finalement, il y a le bien, il y a le mal. Tout est pour le bien. Mais même cela, c'était pour le bien. Gamzou, les Thomas. Et même ce que j'ai considéré comme étant le mal. Et à la fin, à 120 ans, tu vas en faire un grand film sur ta vie. Et tu vas dire, Gamzou, les Thomas. Mais bien sûr, mais même ça, même ça, même ça, même ça. Tout ça, il me fallait. Et là, on va comprendre. Ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu. Ouais. Parce que c'est relié avec la Neshama, parce que c'est relié à. Avec tout ce qu'on a évoqué. C'est bon ça ou pas? Bon, là, on est dans la Emouna, un sujet concret, d'accord? Et Gamzou les Tova, donc ça veut dire que notre perception, je vous dis, tous les problèmes des gens aujourd'hui, il y a une guerre, il n'y a pas une guerre, il y a l'économie par l'économie, il y a tout ce que tu veux, c'est relié à un problème d'Emouna. C'est pour ça qu'il faut l'étudier. Et les sujets qui ont été étudiés, c'est évidemment les 13 principes de foi du Rambam, que vous les avez en français, encore une fois, il y a beaucoup de cours sur Internet qui existent. 13 principes de foi de Maïmonide, et vous avez par exemple plein de livres, Da'at et Mounot du Ramchal. Ah voilà. Alors on y va encore un petit peu, quelques petites minutes, ensuite on conclut. On fera une deuxième volet, voire un troisième. Sheol Evado Mashgiach Halkob Eotav, donc c'est lui uniquement qui va apporter sa Hashgacha, lui c'est Dieu, sa Hashgacha, sa providence sur toutes les créatures. Tout ce qui est né dans le monde, c'est que par sa volonté. C'est pas par hasard. On a souvent rappelé que les lettres de Mikré, qui signifie le hasard, ce sont les mêmes lettres que Rak Me'Hachem. Tout ça, ça ne provient que de Dieu. Et là, Hu Hashofet Kol Ha'aretz V'Kol Ha'Sherba, c'est lui qui juge toute la terre, tout ce qui est contenu dans la terre. V'Gozer Kol Ha'Sherba, Elonim V'Tartonim, c'est lui qui décrète tout ce qui se passe en haut et en bas. Atsof que la madrigal chez Bechol Abriya Kula, jusqu'au dernier degré. Comme on sait que dans la lecture de la mystique juive, il y a plusieurs mondes parallèles, bah, dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et dans les degrés de Hak, ça veut dire du niveau le plus élevé, ou de la Malchoute, de la Malchoute, de la Malchoute, ça veut dire les niveaux les moins élevés, et ben, bah, dans tout cela, c'est Dieu. Shlitato ou Shelo Shum Khean Kfiaklal. Il n'a pas de besoin, comme j'ai fait une émission ce matin à la radio, où l'animateur me posait la question, il m'a dit, oui, mais est-ce que Dieu a eu besoin de créer le monde? On ne peut pas exprimer cela en termes de besoin, ce n'est pas un besoin que Dieu a. Tu ne peux pas le définir, Dieu. Il a voulu produire un acte de bonté à l'origine. Ce que disent les textes, le Ramchal, par exemple. La première raison, c'est de faire un acte de bonté, mais personne ne lui a imposé. D'accord? Dans Pitre Chochma, qui est un autre livre, là-bas, il explique la profondeur de ce qu'on évoque, et il dit comme cela, Arkavat Shebara Beroim Barale Ratson, dans la mesure où on a créé des êtres qui ont un libre arbitre, ils ont l'impression que, parce qu'ils ont le libre arbitre. Donc Dieu va créer le mal. Donc il va créer cette possibilité à ce qu'on puisse pratiquer le mal. Mais malgré tout, il n'y a rien qui peut annuler la volonté divine. Ça, c'est vraiment ce qu'il entend, lui, par cette définition de Yichud Ashlita. Donc, il y a le Yichud Ametziut, ça veut dire finalement l'unité dans la création, qui est révélée pas seulement par le Ramchal, mais par le Rambam aussi. Et il y a le Yichud Ashlita, ça veut dire qu'il est révélé cette fois-ci essentiellement par le Ramchal, qui est l'unité dans la gouvernance, dans ce qui se passe